Les Arabes ont aucune pitié envers les touristes. En fait, là, j'ai la même réaction en fait que quand j'arrive au taf et que je vois des cafards par terre. Bah là, c'est pareil. Vous êtes des cafards, les gens. Voilà, les petits gamins, les petits gogolitos, vous êtes des cafards. Juste un instant, c'est mon magasin et vous n'avez aucun droit de rester ici. Un dernier barreau d'honneur. Oh! Qu'est-ce qu'il veut? Il s'est passé quoi? J'étais expulsé? Mais c'est quoi comme langue ça, les gars? Non, mais là, c'est n'importe quoi ce qui vient de se passer, les mecs. Thank you, my friend. Tiffany is here, guys. Oh, oh, trop bien. Esquivez, esquivez. Nice, allez. Alors, touche mon VIP. Esquivez. Ouais, tiens, c'est la tête qui la veut. Le verre. Moi, je viens, ouais. Merci. Bon, je vais pas aller dans les détails, mais en gros, là, je vous dis rapidement, j'arrive. Et en plus, j'arrive dans la salle, je lui dis, Laure, il y a moyen d'attendre. Elle me fait, non, ça va commencer. J'ai envie d'aller aux toilettes. J'ai dit, j'ai grave envie d'aller aux toilettes, Laure. Je vais aller pisser parce que j'avais bu de l'eau. Donc, je vais pisser. Donc, ça va, c'était à une minute. Enfin, ça a duré même pas une minute. J'ai pissé, hop, je me suis nettoyé le zgeg. Hop, rapidement, je me suis mis de l'alcool dans les mains au cas où si je devais prendre le gosse en entre temps. Hop, j'ai mis de l'alcool dans les mains, enfin, l'espèce de gel dégueulasse là, dans les mains. Hop, je rentre dans la salle de naissance. Tac, tac, tac. Elle me dit, hop. Et là, moi je me suis dit, bon, elle dit ça, mais on va attendre encore une demi-heure. Et hop, elle était déjà en train de pousser. Je me suis dit, quoi? Mais comment là? Mais comment là? L'enfant il va sauter là avec les pieds secs? Mais c'est génial là! Une fois, deux fois, blah! Blah! Comme une jument, c'est sorti. Poup! Poup! Le truc, oh! Elle a dû le récupérer. Allez, tenez, tiens! Allez, tiens, Boubacar, tiens, allez, fais-toi plaisir, c'est ton gosse, tiens. Ah, bah il est content le noireau là, hein, il va pouvoir rester en France. Non, elle a pas dit ça. Elle a pas dit ça. Ce matin, on est parti faire le bain, le premier bain du gosse. Il y avait une Renault juste en face. En plus, on lui donnait plein de. Ça se voyait que la meuf, elle venait d'arriver. Elle était. Les gars, astaghfirullah. Je préfère pré-shot, mais astaghfirullah. Ça se voyait qu'elle venait d'arriver en Zodiac, qu'elle venait de faire son gosse sur le sol français. Parce qu'on lui posait des questions, elle était là comme ça, elle comprenait rien à ce qu'on lui disait. Non. Excusez-moi, c'est une blague douteuse. Veuillez, je suis désolé si ça a pu offenser certaines. Parce qu'en fait, j'imagine le truc. Il y a mon enfant. Juste un instant, c'est mon magasin et vous n'avez aucun droit de rester ici. Un dernier barreau d'honneur. Vous avez tué la chambre. Oh, il veut un peu de... La côte. Je pute! Je vais vous arrêter maintenant, monsieur. Les Chinois m'ont viré! Madame, dites pas que les Américains vont me virer également! J'ai soif. Ah, je voudrais à boire, s'il te plaît. Merci. J'ai pas tu veux à boire? Oui, à boire. J'ai plus que 10 bouteilles d'alcool là. Bah, si tu veux, enfin, je peux te libérer et tu peux aller en chercher si tu veux. Ah, merci. Non, je déconne, allez, salut. S'il te plaît, à boire! 3, 4, Dovi! T'es tout petit! Et maintenant t'es en prison parce que t'as utilisé une machette. Parce que ils étaient pas d'accord avec toi. Mais t'inquiète pas, Dovi, maintenant je suis là pour te protéger. Tu crains rien du tout grâce à moi. Tu seras bientôt en liberté. J'arrive plus à bouger mon corps.
Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez mis un paralysien? Ah, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ce que je fous là? Ah bah très bien. Bonne journée, monsieur. J'y vais ou pas? Attaque! Est-ce que j'ai le parachute déjà? Ouais, c'est bon. J'y vais, les gars. Yalla! Merde! Bonsoir, il s'est passé quoi? J'appelle le laitage. Cinq, quatre, on le tient bien. Trois, deux, un, feu! Ah les bâtards! Ils l'ont lâché! Ah les bâtards! Ils l'ont lâché! Dans ces moments-là, je commence à voir la rage! Ça va pas casser! Let's go! Ça va pas casser! Si, regarde! Coup de cœur, blabla. Déjà, retourne à l'école. Tu sais pas écrire, petit mongol. Et puis, si t'as que ça foutre de ta journée de venir en mode pourriture comme tu viens de le faire là, je suis obligé de parler comme ça maintenant parce que des fois ça gonfle. T'as vraiment que ça foutre, tu m'as d'accord, pas je suis d'accord avec toi, mon gars. Tu dois être vraiment laid. Tu dois être vraiment laid. En plus, pour ne pas savoir écrire, parce que t'es chico, il y a un S au pluriel. Retourne à l'école. Retourne à l'école. Les gars, putain. Avant de venir faire le malin, va apprendre à écrire. Et puis achète-toi une gueule parce que tu dois ressembler à rien. Franchement, mais le pire, c'est qu'il a raison. Rien. Et tu ah, c'est pas un écrire. Espèce de con qui vient faire chier là tu sur sais, le. Non, ah oui, d'accord. Ils viennent et ils te stream. Et ils ont que ça à faire. En fait, tu les vois pas, toi. Et là, en fait, ils te stream. En fait, on passe sur Twitch. Ouais, et mais. Il a des grandes dents. Ouais, il a un trou entre les. Mais je suis trop connu. Eh, sur Smule, je suis trop connu. Mais c'est un truc de ouf. Laisse-nous tranquille, espèce de connard. Va sur Facebook ou Twitter de Book. Laline. Oh là là, je rêve. En fait, là, ça, j'ai la même réaction, en fait, que quand j'arrive au taf et que je vois des cafards par terre. Bah là, c'est pareil. Vous êtes des cafards, les gens. Voilà. Les petits gamins, les petits gogolitos, vous êtes des cafards. Voilà. T'as déjà vu un pays qui Ah, a... c'est l'entourage, c'est l'entourage. Oui, un pays qui a élu un président sur un fauteuil roulant. Sur un fauteuil roulant qui c'est arrive vrai. Même pas à bouger le petit doigt. C'est quoi ça? tu sais en fait, quand tu fais du tourisme, oui, les Arabes ont aucune pitié envers les touristes. Quoi? Ils ont aucune pitié envers les touristes. Mais c'est haram. Je comprends. C'est comme du vol. Mais c'est comme ça. C'est des Arabes. Bon, les gars, vous êtes prévenus. Plus vite, hein. Mais il est sérieux? Mais mon ramadan, mais... s'il vous plaît, je suis obligé de détourner le regard. Attendez un instant. Ah oui, d'accord, désolé. Mais il est sérieux? Tranquille les gars, tranquille, oh, j'allais faire ma petite vie, tranquille, pourquoi m'embrouille là les gars, tranquille. Pourquoi tu me portes comme un petit bébé? Pourquoi tu me portes comme un petit bébé, frère, t'es sérieux là? T'as un chewing-gum, Elliot. Eh, prends pas, la honte, c'est la chouma là, arrête de me prendre comme un petit bébé. Moi y'a pas de problème. Bonjour messieurs, dames, police du RP, juste pour vous signaler que votre RP est éclaté. C'était béni.
et c'est béni. Et c'est béni. Soir comme ça là. Ah, c'est ça. Ça te dérange pas si je te mets une petite tarte là comme ça là. Allez. Je sens rien. Allez, game. Game, salope. Allez, game, salope. Allez. Game, salope. Alors t'as joui, ton père il a joui. Ton grand-père, le breakdancer, là, qui s'amuse à faire le tourniquet dans les centres commerciaux, connard. Si tu t'arrêtes et que t'as un accident, ta voiture, elle est morte. Allez, hop, ferme ta gueule, maintenant. SPD, bonjour. Oh, le gars, il joue dans son salon, oh là là. Oh non. Vous pouvez répéter s'il vous plaît. On part sur un facteur d'arronnage là, visiblement. Il est temps d'aller manger, monsieur. Nous avons une patrouille dès que possible, monsieur. Ouais, la patrouille est prête pour manger les tagliatelles à la tomate. Tiens le regard.